Salut tout le monde, c'est Hartman. Aujourd'hui, je vais prendre le général d'infanterie Shin pour aller botter les fesses du général de l'armée de l'air des USA en difficile avec 20 000 $. C'est parti. J'espère que vous avez les yeux bien ouverts parce que ça va aller plutôt vite. Hop. On commence par une centrale électrique. Je prends l'amélioration pour les mitrailleurs. Comme ça, ils seront encore plus balèzes. Je vais m'emparer d'un Derrick ici. Et d'un autre là. Hop. Ici, je construis un dépôt de ravitaillement. Et ici, une caserne. Mon radar est bientôt terminé. Amélioration achevée. Hop. Ici, je rajoute les 3 camions. Je mets un canon Gatling ici pour être tranquille. Le temps de préparer mon armée. Là, je construis l'amélioration pour capturer les bâtiments. Ici, je construis un canon Gatling pour protéger Hystérix là. Hop. Je vais construire une seconde centrale électrique. Lui, je l'envoie là. Ici, je construis une caserne. Amélioration achevée. J'en construis une également ici. Maintenant, je fais des artilleurs. Pareil ici, les artilleurs, ils sont bien contre les véhicules légers, les soldats ennemis et les avions. Et là, c'est les avions qui s'intéressent le plus. Là, au cas où, je vais faire quelques artilleurs au cas où il y aura des avions. Hop. Allez. Je capture le Derrick ici. Je capture celui-là également. Je bâtis un complexe militaire ou industriel pour avoir des véhicules de transport de troupes. Et ils ont un radar dessus, donc ça permet de détecter les unités cachées. Comme les avions, par exemple. Les avions furtifs. Parce que le général aérien, il en a plein, des trucs furtifs. Hop. Je bâtis un centre de propagande. Bon, ils vont bientôt attaquer. Je vais écarter un peu mes soldats. Hop. L'ennemi ne survivra pas à nos armes. Mon premier transporteur. Allez, j'en commence un autre tout de suite. Hop, je prends l'amélioration des messages subliminaux. Ça fait que les haut-parleurs d'embrigadement, c'est l'effet rouge là. Ah, c'est plus puissant sur mes soldats. Donc là, ils sont soignés. C'est cool. Le fanatisme, 25% au bonus de groupe. C'est là, c'est les petits ronds jaunes avec l'étoile rouge. Voilà. Donc là, allez, je fais encore quelques soldats.
Et je vais me diriger vers la base ennemie. Ah. Donc là, il a perdu un avion qui valait super cher et ils ont détruit qu'un soldat. Donc ça leur coûte très cher. Chaque unité qui me tue, ça leur en coûte comme s'ils en perdaient 4. Pareil. Allez. Je vais les envoyer. Ah. Unité perdue. Donc là, ils ont plein d'avions. Et ils ont tous perdu. Hop. Voilà. Félicitations, général. Vous avez fait la différence. Artilleur au rapport. Nous en regardons. Allez. On va leur faire la fête. Unité perdue. Pas grave si je sacrifie des mecs. Hein. Là, on va traverser leur base. Félicitations, général. Vous avez été promu. Ah, j'ai perdu un mec de temps en temps. Ah non, mais le général aérien, il est complètement désavantageux face au général d'infanterie. Je vais m'occuper de la caserne. Allez. Non ! Je vais construire nos soldats. Parce que je vois l'argent qu'augmente et ça sert à rien. Ah, c'est très basique hein, comme technique d'attaque. Eh ben j'ai gagné. Allez, on peut rentrer à la base, les gars. Ah, je vous avais dit que ça serait rapide. Par contre, j'ai perdu quelques mecs. 28. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde !